Salut à tous, c'est Serator pour une nouvelle série de vidéos. Tout simplement, je me suis abonné à Watchbox parce que j'ai eu voilà, un petit bonus avec, avec mes salaires et j'ai voulu me faire plaisir. Donc j'ai reçu celle-ci, c'est celle du mois d'octobre, elle est un petit peu en retard du coup parce que je me suis abonné vers le 10 octobre. Du coup, on va voir ce qu'elle contient. Alors je sais pas si ça intéresse les gens hein, de voir ce que ça contient, etc. C'est absolument pas de la pub ou quoi que ce soit. C'est que j'aime bien ce principe de montrer les goodies, etc. Donc du coup, c'est parti. J'ai reçu ça aujourd'hui, ouais, ça pèse à peu près 900 grammes, je crois. Il doit y avoir un peu de matos dedans. My God, je sais pas comment l'ouvrir. Mais... si. J'ai trouvé. Alors, attendez, je vais vous montrer la du Stranger Things, mais je vais vous montrer ça un peu mieux si possible. Il y a un petit magazine, d'accord. Donc je découvre un peu hein, le... après, ils en parlent beaucoup sur jeuxvideo.com par exemple. Ah donc ouais, il y a un petit bouquin qui reprend tous les goodies contenus dans la boîte. Après, il y a un truc qui est pas mal avec celle-ci, c'est qu'il y a la super... voilà, la Mega Woodbox. Donc du mois d'octobre. Donc je crois qu'une fois par mois, en fait, il y a un tirage au sort. Alors je sais pas sur quel cam vous verrez le mieux. Et il y a des, voilà, des gros lots à gagner en fait. Comme là, la statuette du Joker qui vaut 750 €. Parce que là, voilà, je me suis abonné un an, donc c'est 20 € la boîte, hors frais de port. Donc c'est 300 € je crois à peu près pour une année. Donc il y a du Wolfenstein, normalement c'est la couverture mieux. Ça vaut du 80 €, voilà, des petites figurines. Là on a du... non, c'est pas Alien. Si, Alien, la reine Alien. Après, pff, mes cams sont un peu floues, ça c'est vraiment, vraiment merdique. Hein. C'est un peu dommage. Bon, du coup, voilà, ça vaut 1 000 €. Donc voilà, il y a quand même des beaux lots à gagner. Donc c'est par tirage au sort. Il y en a un par mois qui remporte ça. Donc voilà. Après, bon, le problème, c'est qu'on reçoit un lot. On ne sait pas ce qu'il y a à l'avance. Du coup, il y a des choses qui peuvent être intéressantes et d'autres un peu moins. Alors, exclusivité Wootbox. Donc, pour ceux qui connaissent Stranger Things, c'est Eleven, je crois. Underwater. Ouais, bah ouais. Parce que je vais faire, je vais d'abord tout sortir de la boîte, je vous montrerai tout dans le détail après. On a un petit tablier Batman. On va regarder ça juste après. On a un Pins Saw. Donc là, clairement, Nightmare. Donc cauchemar en anglais pour ceux qui ont des petites lacunes en anglais. Pour ceux qui sont pas tout à fait bilingues. Ah, c'est bien une petite plaque. On verra mieux là. Warning, Matt Clown, yeah, yeah, yeah. Un t-shirt Simpson. Hop, au pire, je vais enfiler tout ça et vous le montrer. Alors après, c'est bien d'avoir une box comme ça, Stranger Things, mais je peux pas vraiment l'exposer, si. Ah, si, attendez. En fait, tu peux la retourner, la boîte. En gros, la boîte, on peut la transformer en Stranger Things. C'est ce que je vais faire tout de suite. On va voir ce que ça donne. Alors du coup, voilà ce que ça donne une fois qu'on a retourné la boîte. La question étant du coup, pourquoi ça arrive pas dans cet état ? Je trouve ça infiniment plus classe en fait que l'autre côté qui est complètement neutre et random. Alors est-ce que c'est pour éviter que ça s'abîme en route justement? Comme ça le côté exposé c'est le côté neutre, donc s'il y a un petit éclat ou quoi, ça arrive sur le côté caca. Parce que là la boîte est plutôt stylée je trouve. D'ailleurs lui on l'a retrouvé dans ça, Hit. Le film d'horreur avec le clown là, qui est sorti il y a pas très longtemps. Voilà, Stranger Things, une série qui a pas mal fait parler d'elle. Sur Netflix, donc en dessous le petit logo Woodbox, hein, je crois que ça y a un reflet. Voilà, donc une boîte sympathique. Après, je sais pas si je vais collectionner les boîtes, hein, peut-être pas. Mais genre mettre ça dans un décor. Si, ça peut habiller un peu, hein, très clairement. Alors après, niveau détail. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, on a regardé. On a des illustrations. Voilà, bon, il n'y a rien de transcendant. Il présente les goodies. Alors d'ailleurs, je dois même, voilà, j'ai profité d'une offre hein, pour les 300 €. Je suis censé recevoir l'ombre de la guerre. Je ne sais pas si ça arrive dans un colis séparé ou pas. Ils m'en ont pas encore informé, donc on va voir.
Très bien. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Je suis assez content. On va ouvrir la petite figurine. Alors du coup, ce serait ma première figurine pop. Je suis pas très fan du design en général. Mais là, je vous avoue que... Bon. C'est plutôt pas mal, c'est sympa, c'est pas transcendant, mais bon. Donc ceux qui sont vraiment fans de Stranger Things, je sais pas si vous pourrez la trouver autrement. Donc voilà. Bah, c'est vraiment le design général avec la grosse tête carrée, je suis pas fan. Hein. Mais celle-là, je la trouve voilà, plutôt sympa quand même. Hop, on va la mettre sur le côté. Donc il y en a d'autres, hein, si ça vous intéresse. Je sais pas si vous verrez bien. Avec cette cam en carton pâte. Plusieurs personnages. Hop. Donc ça, on l'a vu, le petit Pins. Saut. Je sais pas si je vais le mettre sur mon sac à dos ou que sais-je. Ensuite, ça, de plus près. Ça aussi, j'aime bien le concept, hein, vraiment. Donc ça reprend ça. Hit. Le clown diabolique. Donc voilà. Après, ça, c'est le vieux design, hein, c'est pas le nouveau. Le nouveau, le maquillage est un peu différent quand même. Alors du coup, je sais pas, je l'accrocherai bien par exemple sur la porte, hein, qui est derrière. Mais comment fixer ça, parce que bon, il y a bien de quoi percer, enfin je vais pas percer ma porte pour coller ça. Je vais voir, j'aime bien la plaque en elle-même, donc à voir si je la pose. Et il reste deux choses. Donc il va y avoir un tablier Batman, Joker. Ah, il sent le... Ah, il sent... Ça sent le truc qui a été enfermé trop tôt, là, qui est... Bon, je reviens, il y a un petit truc à découper. Ouais. Voilà ce que ça donne, grossièrement. My God. Donc un petit tablier pour faire la cuisine. Bon, je l'ai pas accroché derrière, mais ouais, bon. Je fais la popote vite fait, on va dire. Après, j'ai pas vraiment besoin de tablier. Mais pourquoi pas si je fais des trucs un peu salissants. Autant s'en servir, j'ai envie de dire. Et il restera donc le t-shirt. Oula, je fais qu'il passe en steak. Le t-shirt Simpson qu'on va regarder. Bon, et puis ben voilà, le t-shirt Simpson. Je sais pas, j'ai pris du XL. Bon, après, ouais. J'ai un physique un peu particulier, mais c'est ouais, ça ira du XL, je pense. Pourquoi pas le mettre même pour le boulot. Pour emmener le courrier aux gens. Avec ça. Homer, Lisa et Bart en mode Halloween. Donc voilà, voilà, voilà. Écoutez, je vais voir si ça plaît le concept, hein, de faire ces petites vidéos-là. Sinon, bon, bah, je les garderai de mon côté. Voilà, j'aime bien le principe, hein, des goodies. Hein, j'en ai beaucoup là sur l'étagère qui est là. J'en ai même transféré là. Enfin, il y en a un peu partout. Donc voilà. Donc c'est plutôt, voilà, on en a pour son argent, le problème c'est que c'est un peu aléatoire. Donc il y a un thème par mois, et du coup le thème peut plaire ou pas, les goodies peuvent plaire ou pas. Là c'est le thème Halloween, enfin Nightmare, Cauchemar, etc. Moi je regrette d'avoir loupé celle de cet été, je crois que c'était au mois d'août. Il y avait une rétro, qui est même plus disponible. Parce que alors voilà, si ils ont des stocks, des boîtes qui n'ont pas été écoulées, sur leur site Woodbox, on peut acheter des anciennes boîtes en fait. Mais la rétro, qui m'intéressait énormément, n'est pas disponible. Tout est écoulé malheureusement. Donc voilà, il y a des thèmes plus ou moins intéressants. Le mois prochain, je crois qu'il y aura du... C'est le thème Fighter. Il y aura du Walking Dead. Bon, je vois pas trop le rapport. Du SNK, l'attaque des titans. Etc. Donc à mon avis, ça va me plaire aussi. Donc voilà, si ça vous a plu, dites-le. Même juste par un petit pouce bleu, hein. Écoutez, ça fait toujours plaisir. Donc si je vois que ça fait un petit peu de vues et que ça plaît aux gens, bah écoutez, je ferai cette petite vidéo une fois par mois. Dès que je recevrai... ma Woodbox, si je la montre à la bonne caméra, c'est mieux, n'est-ce pas? Allez, merci d'avoir regardé, et puis à la prochaine sur d'autres vidéos. Ciao, ciao!